Je veux te parler de celui qui est toi, le Seigneur des Seigneurs, le premier des premiers, celui qui est la hauteur des hauteurs, celui qui est suprême devant tous ceux qui sont dans ce monde. La suprême autorité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le monde est monde, montre-moi qui est au-dessus de tout homme. Dans le passé, on a entendu parler de beaucoup d'hommes. On a entendu parler des prophètes. Et même dans notre monde physique même, on nous a aussi parlé des hommes qui ont marqué, soit des grands joueurs, soit des griches, des personnes, chacun a son histoire. Mais quand on arrive sur Jésus, on marque un arrêt. Pourquoi? Parce que pour lui là, c'est vivant. Ce qu'il a fait hier, il continue de le faire aujourd'hui. Et il continuera de le faire demain. Et pour lui aussi, il sera éternel. On l'appelle l'ancien des jours. Mes frères, dans ce monde, qui est le plus fort? Le diable veut qu'on se mette en genoux devant nous pour reconnaître que c'est lui. Parce que quand tu dis, tu adores un être, cela signifie que c'est lui qui est le tout-puissant. Quand on se met en genoux devant quelqu'un, ça signifie qu'il est grand que moi. C'est pour cela, le sang de l'adoration a une valeur. Quand vous savez adorer Dieu, cela signifie quoi? Vous savez le placer à sa place où il est. Dieu aime ça. Aujourd'hui, on commence l'année. Je veux te parler de celui qui est le plus grand des grands dans ce monde. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il n'y a personne comme lui. Si tu ne l'avais pas connu, sincèrement, je ne sais pas pourquoi tu allais exister dans ce monde. Marc 4, 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Au 40, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, si, à qui obéissent. Il dit, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer. Ils étaient avec Jésus et tout à coup le vent. Vous voyez, les flots de la mer là, quand ça se soulève comme ça, ce que ça fait. Le vent s'est soulevé. Or, lui, il dormait tranquillement. Et ils étaient affolés. Et ils réveillent Jésus. Seigneur, 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 nous sommes en train de mourir. Donc, il les a regardés. Il dit, oh, vous ne savez pas qui je suis. Alors, Jésus se lève. Il dit, tais-toi. Qui a créé le vent? C'est lui. Qui a créé tout ce que vous voyez? C'est lui. Donc, normalement, si c'est lui qui a l'autorité de la mer, donc, s'il dit à la mer, tais-toi, la mer doit se taire. Il a dit, hein? Il dit, tais-toi. Et tout s'est arrêté. Donc, les disciples sont les matins. Le vent que nous, on a vu, l'eau qui est venue remplir. Non. Sans doute. C'est qui ça? Alors ils se posent la question. Ils sont assis les deux. L'autre disciple demande à l'autre. Il dit, mais c'est qui ça là? Et il a parlé au vent. Et la mer. Et ils se sont tus. Mais c'est extraordinaire. Mais il y a quelque chose qui est caché derrière.
dites-moi, le sorcier de ton village là, si Jésus lui dit tais-toi, qu'est-ce qui va se passer? De toi à moi, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va même pas se taire. Il va fondre. Écoutez, vous, peut-être que vous ne connaissez pas Jésus. Jésus dit, il faut repartir. Et jette encore ton filet. Il dit, dans notre métier, dans les normes, par façon j'ai travaillé là, poisson ne doit pas sortir. Mais suis ta parole. Je vais aller jeter mon filet. Pierre s'en va. En allant même, il sait que bon. Bon, il a essayé, voir. Et puis il essaie. Il lance son filet. Quand il lance son filet, il tire un peu, il ne comprend rien. Il tire, il dit, mais attends, il y a quoi? En tirant, il se rend compte que depuis lui, il pêche. Il y a des poissons qu'il n'a jamais vus. Il vient de voir ça dans le filet là. Et chose bizarre, d'habitude quand tu pêches là, quand tu tires le filet, il y a des poissons qui sautent. Mais les poissons étaient calmes. Ils ne parlaient pas. Des poissons angéliques. Des poissons de beauté extraordinaire. Il tire. Il regarde Jésus. Il tire. Il regarde Jésus du matin. Arrivé un moment, écoutez, quand il a tiré jusqu'à il a vu la qualité des poissons, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est mis en genoux. Il dit non, ce que je viens de voir là, Seigneur, je me répands. Je pensais mal de toi, mais je reconnais que tu es Dieu. Frère, Jésus, Pierre tire, il regarde, il tire, il dit Seigneur, qui est cet homme là? Depuis que je l'ai connu, tout peut m'arriver, mais ma pensée que c'est lui qui a l'autorité là, ça ne change pas. Même quand je suis en train de souffrir, c'est là que je dis, Seigneur, tu es en train de m'ouvrir les yeux. Parce que c'est lorsqu'on souffre qu'on arrive à te connaître. C'est pour cela que j'aime la souffrance. J'aime quand on pleure. Vous savez pourquoi? Parce que tu es là, tu vois qui il est. Parce qu'il viendra et il va dire, tais-toi, tempête. Il va dire, tais-toi, la mer. Il va dire, tais-toi, tout ce qui est œuvre des ténèbres. C'est quand tu es en danger que tu sauras qui est ton défenseur. Tu connais la force de celui qui est derrière toi. Mais s'il n'y a pas de danger, tu ne connais pas qui il est. Alors, si tu souffres, attends-toi à lui. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marie dit, oui, je crois que mon frère va ressusciter le dernier jour. Regardez comment elle pensait. Regardez comment elle pensait de Dieu. Elle s'est dit, c'est à la fin du monde. Non! Il a ressuscité les hommes hier. Il peut ressusciter les hommes aujourd'hui. Alors, il dit à Marie, Marie, ton frère va ressusciter. Et Jésus s'en va devant le tombeau de Lazare. Il marche, il arrive. Vous savez qui allait? C'est le créateur du monde. Celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui dit un mot et le monde change. Il marchait. Il allait vers Lazare. Lazare était décomposé. Lazare sentait. Lazare n'a plus d'espoir, mais l'autorité arrive. L'autorité suprême arrive. Le grand des grands arrive. Le roi des rois arrive. Frère, ce matin, 2021, attends-toi à l'intervention de Dieu. Attends-toi à ton autorité. Attends-toi à Jésus de Nazareth, parce qu'il dira un mot. Je suis quitté à Boaké. Avec ma femme, on a tout perdu. Mais moi, je marche avec une autorité. Mes frères, les gens pensaient que c'était fini. J'ai dit, vous ne connaissez pas Dieu. On a tout perdu à Boaké. Mais je n'ai pas perdu celui qui est l'essentiel. Quand vous l'avez à côté de vous, quel que soit ce qui va vous arriver, attends-toi à l'intervention divine. Attends-toi à lui. Il y a des gens qui me disent, pasteur, on te quitte. J'ai dit, partez. Le jour que j'aurai mal, qu'une personne va me quitter, c'est Jésus. Tout le monde peut me quitter. Ça ne va rien me faire. Parce que tu n'as pas payé pour moi. Parce que ce n'est pas toi qui vas me donner le ciel un jour. C'est pour cela. La personne qui prend le sang de mon cœur, c'est l'être suprême qui est Jésus. Frère, écoute. Dans ce monde, ne t'attache pas à l'argent. Parce que l'argent, ce n'est pas lui qui fait le monde. L'argent fait le bonheur temporaire. Mais mon Dieu,
il donne un bonheur éternel. Alors, ils arrivent, tous ceux qui étaient les habitants des lieux, ils ne savent pas qui est Jésus. Ils ont pris des cailloux, ils vont taper Jésus. Ils ont pris des cailloux, on dit, il n'a pas dit l'effort, on va voir aujourd'hui. Et Jésus arrive, il regarde les gens pleurer. Lui-même, il a pleuré aussi. Il n'a pas pleuré parce que il va quelqu'un qui s'en va ressusciter Lazare. Mais il pleure pourquoi? Il pleure parce que les hommes pensent que la mort, là, c'est la fin. Mais en réalité, il y a une vie après la mort, que la vie éternelle. Et c'était lui qui était devant eux. Et ils pleurent parce qu'ils pensent que la mort, là, c'est la fin. Jésus pleure parce qu'il s'est dit que voilà la vie éternelle devant vous, mais vous ne voyez pas. C'est pour cela qu'il a pleuré. Quand tu sais que ton enfant, il peut être sauvé et que malgré tout ce que tu lui dis, il ne comprend pas, tu pleures parce que tu te dis que est-ce qu'il va comprendre? Jésus s'en va. La vie est partie. Le ciel était prêt. On dit, l'ange Michael dit aux anges, il dit, bah, attends, il s'en va faire quoi? On dit, il s'en va dans la tombe de Lazare. Il s'en va dans la tombe de Lazare. Il s'en va faire quoi? Il dit, il s'en va le ressusciter. Il dit, quoi? L'ange Gabriel, il s'est préparé. Il a lavé, il s'appelle comment, Joseph, non? Parce qu'il entend me parler de quelqu'un qui est dans la salle. Il me dit, la femme qui a crié là, il y a une femme qui a crié tout à l'heure. Il dit, la femme vient de voir quelque chose dans le monde spirituel. Et c'est ce qu'elle a vu là, qu'elle a crié. Il y en a qui a venu devant. Lazare! Lazare, en réalité, il était déjà habillé. On l'a mis, comme c'est l'ami de Jésus, on l'a mis au ciel. Et quand ils l'ont mis au ciel, il est sapé. Ils l'ont bien placé. Quand Jésus partait le ressusciter, les anges disent, mais aïe, Seigneur, on l'a déjà bio. Il est déjà à sa place ici. On dit, non, le maître a besoin de toi. Donc, qu'est-ce que les anges vont faire? Ils vont enlever tous ses habits du ciel. Ils ont tout enlevé sur lui. On dit, tu dois retourner sur la terre. Lazare dit, moi, retournez là-bas. De toute façon, je suis tombé malade là. On dit, le maître dit de retourner. Quand il dit quelque chose, personne ne doit parler. Viens. Il est vivant. Oh. Non, arrête-toi avec moi. Voilà. Il est vivant. Oh. Il n'est pas mort. Tu sais pourquoi tu as crié? Parce que l'année qui commence pour toi est une année spéciale. Et tu as vu une grandeur. C'est que tu viens de voir ton âme a saisi la présence de Dieu. Et un vent doux qui va passer sur ton front. C'est le nouveau. Un temps nouveau qui vient sur toi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Restaure son âme. Et c'est un commencement pour elle, pour cette année, car elle a perçu. Il est vivant. Oh. Elle peut s'asseoir. Il n'est pas mort. Oh. Il est vivant. Oh. Il n'est pas mort. Bien aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont habillé l'ange. Lazare, on dit Lazare, tu retournes. Lazare dit non, le monde est méchant. On dit c'est Jésus qui a besoin de toi. Mais lui, déjà là-bas, il a vu qui est Jésus. Il dit, mais on marchait à lui, c'était une autorité. Frère, quelqu'un qui était décomposé, il sentait. Si c'est une fois parti à la mort, quand un corps est couché là, les mouches là se promènent comme ça. À cause de ça, je n'aime pas aller à la mort. Non. L'homme n'est rien. L'homme est comme un animal. Quand tu meurs, après une heure de temps, deux heures de temps, tout commence à changer. Ton ventre commence à grossir. À leur temps, il n'y avait pas mort. Donc, ça faisait déjà quatre jours. Il a commencé à sentir. Mais là encore, il veut démontrer qu'il est l'autorité suprême. Il arrive. Il ne va pas, écoutez, il ne va pas dire, Lazare,
Seigneur, est-ce que tu peux faire venir Lazare? C'est un peu compliqué. Non. Il a dit, Lazare, sors. Le Dieu que vous avez là, il n'est pas à côté de la mort. La mort là, ça n'a rien à voir avec lui. Celui qui a connu Jésus, il est passé de la mort à la vie. Ça signifie que on t'a annulé dans l'histoire de la mort. La mort n'existe plus. Quand Lazare est sorti, il dit déliez-le. Quand ils l'ont délié comme ça, il regarde Jésus. Il dit, quand j'étais sur la terre ici, ma chère toi là, je n'ai pas vu qui tu étais. Mais maintenant, je suis allé dans le monde où tu étais. Je suis revenu. Il a dit à tous ceux qui étaient là, il est Dieu. L'être que vous voyez là, c'est un Dieu. Le monde entier partait parler à Lazare. Mes frères, c'est pour cela un homme qui était à côté de Jésus. Il a suivi Jésus vers la fin de la vie de Jésus et que Jésus devait partir. Comme ma femme l'a dit tout un jour dans sa prédication, il a demandé qui je suis pour vous. Ce matin, je te demande qui est Jésus pour toi. Chacun a une réponse. Il y a un qui a dit, tu es un prophète. Il dit, les gens disent, il dit d'accord, que les gens disent, c'est-à-dire qu'ils les ont dit. Mais vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Il y a d'autres qui disent, tu es un prophète. Vous savez, le prophète, c'est qui? C'est un envoyé. Mais qui l'a envoyé? C'est encore une autre autorité qui l'a envoyé. Jésus est là jusqu'à... Il regarde tous ses disciples. Il dit donc depuis là, j'ai multiplié les pains. J'ai ressuscité Lazare. Vous n'avez pas vu qui je suis. Mais il y a un qui est là qui dit, on dirait moi je sais qui il est. Il dit, tu es le fils de Dieu. Du Dieu vivant. Jésus a crié, il dit, hey, voilà un qui a une grandeur d'esprit. Quoi? Quelqu'un qui vient de connaître une vérité sur moi. C'est pour cela qu'il a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je vais pas tirer mon aiguille. Parce qu'il a vu la grandeur. Mon frère, ma soeur, tant que tu ne perçois pas qui il est, tu joues toujours avec lui. Parce que tu penses que c'est un homme, il est normal comme nous. Jésus n'est pas un homme. Mais dans ma pensée, il est l'être supérieur. En parole, il est l'être supérieur. Dans toute sa dimension, il est l'être supérieur. Depuis le commencement de ce monde jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu quelqu'un qui est comme lui. La Bible est le livre le plus vendu au monde. Toutes les religions parlent de Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui ne parle pas de Jésus. Tout le monde, tu prends tous les livres, on te dira avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Le monde reconnaît qu'il y a un être qui n'est pas comme les autres. Le monde reconnaît qu'il a fait des œuvres que personne n'a fait. Le monde reconnaît que ses paroles sont des paroles de vie et personne n'a parlé comme lui. Le monde reconnaît que son tombeau est vide. Alors montrez-moi qui est Dieu. Qui est Dieu dans ce monde? Qui? Montrez-moi qui est l'être suprême. Qui? On a parlé des chefs d'État. Mais parmi les chefs d'État, il y a eu des puissants. Ils ont eu une armée puissante. Mais ils sont morts. Montrez-moi qui encore dans ce monde était fort et qui est resté l'autorité. N'oubliez pas que celui qui est grand, c'est qu'il est au-dessus de tout.
Mais ton Jésus, il est resté toujours le même dans la grandeur. Il est toujours aujourd'hui dans la grandeur. Et l'éternité, il est dans la grandeur. Il restera l'être suprême dans la grandeur. C'est pour cela que tu as eu le meilleur ami. Si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, la chair va te dire qu'il faut avoir peur. Mais dans ta pensée, sache qu'il a déjà dominé la mort et tous ses cousins. Les gens pleuraient pour lui. Il dit, ne pleurez pas pour moi. Depuis qu'on pleure pour un Dieu, depuis que je l'ai connu, je marche avec lui. Jusqu'à la fin de mes jours, je garde ce bon souvenir qu'il est Dieu et il est l'autorité suprême. Personne ne pourra le comparer. Personne ne peut dire ce qu'il a fait. Personne ne peut être au-dessus de lui. Il est unique en son genre. C'est ton Jésus. Quand il parle, la chose s'accomplit. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il déclare, la chose va arriver. Il n'est pas fils d'un homme. Il est Dieu lui-même. C'est pour cela en ce jour, le premier jour qui est le dimanche de l'année, renouvelle ta relation avec lui. Si tu étais loin de lui, reprends ta position. Ton foyer n'est pas au-dessus du monde. C'est Jésus qui est au-dessus. C'est lui qui a créé le foyer. C'est lui qui a créé le travail. Ne le mets pas en dessous de ces choses. Ta priorité, c'est ton mari ou bien c'est ta femme. Ta priorité, c'est ton travail ou c'est ton ses affaires. Ce que tu entends de faire là, tu entends de le diminuer et tu mets tes intérêts au devant. À partir d'aujourd'hui, mets-le au-dessus de tout. Et regarde les choses de ce monde comme la boue. Regarde tout ce que tu vois devant toi comme la boue. Parce que c'est lui en première position. C'est lui qui est l'autorité suprême. Attache-toi à Jésus. Et 2021, tu verras la gloire de Dieu dans toutes choses. Tiens-toi debout et acclame Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Hey, 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 hey. Oh, oh, oh. Hey. Oh, 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 oh. Je dis, oh, il est Dieu. Il est Dieu. Mon papa, oh, il est Dieu. Oui, il est Dieu. Mon sauveur, oh, il est Dieu. Oui, il est Dieu. Mon papa, il est Dieu. Oui, il est Dieu. Lève les deux mains en chantant ce cantique. Nous allons proclamer qu'il est Dieu et qu'il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne. Il est le roi des rois. Yesu, oh, il est Dieu. Oui, il est Dieu. Mon papa, oh, il est Dieu. Oui, il est Dieu. Je l'aime, oh, oui, il est Dieu. Mon avocat, il est Dieu. Oui, il est Dieu. Yesu, oh, il est Dieu. Il est Dieu. Mon avocat, oh, 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 il est Dieu. Oui, il est Dieu. Je l'aime, oh, eh, oui, il est Dieu. Mon papa, il est Dieu. Eh. Ensemble. Lève les deux mains vers lui. Oh, oh, oh. Eh. Ce matin et reconnaître qu'il est Dieu. On se met en genoux et
lui dit qu'il n'y a personne comme toi. Élevons la voix vers le Sauveur. Père, tu es Dieu et je le reconnais. Car qui est cet homme qui en est digne d'ouvrir les seaux? Qui est cet homme? En réalité, ce n'est pas un homme, mais il est Dieu. Alors nous nous repentons pour dire, tu es Dieu et tu es au-dessus de tout. Tu es, ô Père, le grand des grands, le Seigneur des seigneurs. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es au-dessus de tout. Oui, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, plus haut. On va chanter ce cantique. On va l'élever plus haut. Plus haut et plus haut au-dessus de tout. Tu attrapes la main de ton voisin. On va élever Jésus plus haut. Tu es au-dessus de tout. Le ciel et on l'adore. Adore-le, 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 adore-le. Tu as l'autorité suprême. Jésus, nous te levons plus haut, plus haut, plus haut. Oh, Jésus, on te lève plus haut. Jésus, nous te levons plus haut, plus haut. Oh, Jésus. Jésus, nous te levons plus haut, plus haut, yeah! Plus haut. Nous te levons plus haut. Jésus, nous te levons plus haut, plus haut, plus haut, yeah! Plus haut. Jésus, nous te comme toi.
plus haut. Jésus, nous te levons plus haut. Plus haut. Plus haut.